Camarades retraités, l'heure de la revanche va bientôt arriver. En 2050, en Europe, il y aura 60% de personnes âgées. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées ce soir. Mais en 2050, les personnes âgées, ce sera vous. Puis on dira plus personnes âgées, on dira personnes ravagées. Mais soi-même, on ne se sent jamais vieux, c'est toujours les autres qui vous disent que vous êtes vieux. Mais comme les autres seront en minorité, ils n'auront plus qu'à s'écraser. En 2050, fini la pub pour Mamie Nova, Café Grand-Mère, Papy Bronsard. Fini la convention Norwich Union. J'ai tout prévu pour mes obsèques avec le numéro vert qui clignote. Vous allez bientôt mourir, vous allez bientôt mourir. Nous aussi, on fera la pub pour les produits de beauté. Parce que je le vaux bien. En 2050, à nous les emplois. Bac plus 18, pourquoi vous avez arrêté vos études aussi vite? Ici, c'est une entreprise dynamique, on embauche uniquement les plus de 65 ans. Revenez me voir à 64 ans, je vous prendrai peut-être en stage non rémunéré. En 2050, les rides deviendront à la mode. Fini le lifting. Vive les ridings. En 2050, il y aura toutes sortes de manières de vivre sa troisième jeunesse. Depuis que j'ai 135 ans, j'ai arrêté le jogging, je fais du walking. Si je tombe, mon genou se cache, je pourrais le faire remplacer, mais c'est sentimental, j'ai plus que ça d'origine. J'ai un poignet en résine de synthèse, un tibia en néoprène, et là, pour ma colonne en plutonium, j'ai fait faire un devis, je vais devoir faire un emprunt sur 10 ans. À ce rythme-là, si je vis jusqu'à 160 ans, je vais endetter mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Mais pourquoi que les travaux dans le soutien du corps ne sont pas déductibles des impôts? C'est quand même notre résidence principale. Avec la semaine de 25 heures, on a des week-ends de 4 jours. J'en profite pour faire de grandes marches en forêt à Forêtland, la forêt artificielle de Mantes-la-Jolie. Ce sont de faux arbres, mais on attrape de vraies ampoules. Il y a une nouvelle attraction formidable, la cueillette des champignons. On ramasse de vrais champignons, mais déjà cuits. La cinquième jeunesse, c'est bien parce qu'on peut regarder les 7000 chaînes d'Internet toute la journée. Mamie Loana! Mamie Loana! C'est question pour un champion! Toujours avec Julien Leperche. Les candidats passent, mais lui, il reste. Mamie Loana. Oh, je vais encore devoir le télécharger le programme sur son ordinateur. Elle entend moins bien depuis que sa silicone a explosé. Moi, depuis mon quatrième divorce, à 82 ans, je m'éclate. J'ai un ami de 62 ans, il voudrait qu'on ait un enfant, je veux dire. Attends un peu. Non, avec les distributeurs de Viagra en poudre à tous les coins de rue, on le mélange au sucre, ni vu ni connu. Et moi, je sers toujours à mes amants, avant d'aller se coucher, des camomilles bien sucrées. Ouais, ce sera peut-être comme ça en 2050, mais en attendant, faut bien profiter de la vie, parce qu'on pourra toujours se faire remplacer des petits bouts, mais le tout pourra nous être retiré d'un seul coup. Alors moi, je dis... Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. À le prochain coup que dans la rue, vous croisez une mémé vraiment très vieille. N'oubliez pas qu'un jour, ça va vous arriver.